Si je m'enregistre encore cette fois-ci, est-ce que ça veut dire que je vais devoir faire une partie C? Oh, et puis tant pis, c'est la fête. Donc, désert, la plupart du temps mort, par Volku. Peut-être qu'il y a un bout du nom du pseudo qui manque là. Waouh, il y a des crânes qui volent. Donc, on est dans le monde des morts cette fois-ci. On est passé du monde des vivants au monde des morts, ça fait un peu peur. Voilà, il y a. Ce crâne est très joli, mais il est très flippant. Les têtes de mort, c'est pas vraiment le truc avec lesquels je suis plus confortable. Et je pense qu'il va falloir passer comme ça. Voilà. Il reste à faire un trou, mais oh mon, j'arrive à faire le trou. Il est déjà fini, voilà. Donc, il y a intérêt à faire attention, j'ai plus qu'à se laisser. Voilà, merci. Ah. Par contre, le crâne est sans vie, il n'y a rien dans les yeux, parce qu'on voit rien qui. En général, et après, quand il y a des crânes comme ça. Il y a un truc qui clignote à la place des yeux. Mais non, il l'a pas fait. C'est bizarre. C'était un crâne avec une sortie secrète. Est-ce que c'est assez possible de passer comme ça? Un état un peu plus intelligent, oui, ça doit être possible. Et donc, tu es censé faire quoi maintenant? Elles sont juste coincées à cause d'un bloc mal fait. Parce que juste mettre 4 blocs, vu le peu de temps qu'on a pour passer, c'est assez vache. Surtout qu'encore une fois, je fais deux fois la même connerie. Je pensais être plus intelligent que ça, mais non, même pas. Et donc. Raté. Bon, je vais réessayer une fois en prenant. Ouais, ça, je te rends compte que j'ai pas pris le power-up cette fois-ci. Donc, ça devrait être plus facile, mais voilà. Ce sera la prochaine fois. Prendre les power-up, c'est dangereux dans ce niveau. Merci, jeu vidéo. Passer Spooky là, ça va être difficile. Voilà. Et les 4 centièmes des mots, pour faire ça, je vais manger un champignon. Ça va être le champignon le plus délicieux que j'ai mangé de ma vie. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais tenter 3 coups avec un power-up. Et si j'y arrive pas, je le fais sans power-up. Mais je crois avoir compris, en fait, c'est plus simple en passant par le haut. Mais j'avais pas pensé la première fois. Pas si j'y avais pensé, mais. J'avais envie de passer par le milieu, je sais pas pourquoi. Je m'étais dit que ça serait plus simple, mais en fait, non. Et donc maintenant, c'est cool parce que maintenant 4 systèmes démo en fait c'est juste mon let's play normal. Donc ça sera peut-être pas mal 4 systèmes démo parce que je peux encore faire 2 ou 3 niveaux à la suite sans mourir. Bon là c'est mal barré parce que je vais me prendre un coup à la con mais on sait jamais. Il y a toujours des fonds en forme de crâne. Ça me rappelle Solitaire, la façon dont le bas du crâne est formé. Je trouve ça marrant. Et toujours des pièces. Oh, ce crâne vient de se suicider. Je sais pas si c'est logique ou pas. Juste de me rappeler qu'il va falloir chercher une clé aussi dans ce niveau-là, puisqu'il y avait une serrure. Et Meatball. Bon. Donc je me disais. Étant donné qu'il faut va falloir revenir là où était la serrure, donc du coup je suppose que là. Que la clé n'est pas loin. Encore une fois, ou alors qu'il y a un endroit pour revenir en arrière. Quoi qu'il disait la dernière fois, c'était assez loin, alors ça ne veut rien dire. Donc, les difficultés dans ce niveau-là, c'était justement de revenir en arrière, alors on verra bien. Voilà, je viens de voir le crâne. C'est pour ça que je suis retourné en arrière. Bizarre de mettre juste un petit fond, pas coup de fin. Un chompeur juste à côté de la tige, ça fait bizarre, comme la nôtre. Attendez, il y a des êtres vivants du coup, parce que les plantes sont des êtres vivants. On m'a menti, il y a des êtres vivants dans le jeu. Quoique, je sais plus quel nom du niveau, c'était. Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas, des mots? Non. On est juste dans le ciel. Au cas où.
Non, j'ai juste assez de niveau alors. Et oui, oh là là, ça allait être dangereux, je vais s'arrêter là. Peut-être qu'il y avait quelque chose en haut, je crois pas, mais on verra bien. Enfin, peut-être pas, jamais. À mon avis, il doit rien avoir. Oh, il y a l'air d'avoir un switch quelque part. Voilà. Oh, déjà la sortie? Bon, bah, pas de conneries avant la sortie, s'il te plaît, Magie. Voilà. C'était une connerie à pas faire. Alors voilà. Je m'en fous de la fleur. Voilà la sortie. Hourra. Alors je suis maintenant au château, mais il y a une sortie secrète ici, donc je vais la faire tout de suite. Même si honnêtement, j'ai pratiquement aucune idée de où pourrait être la clé. Ça va être marrant. Enfin, l'avantage, c'est que maintenant, je peux sortir quand je veux du niveau, puisque maintenant, j'ai le Star Select. Donc voilà, par le haut, je dis par le haut. Et je vais être intelligent cette fois-ci, je vais faire un Star Select pour récupérer un Power Up. C'est le bénéfice d'avoir déjà fini le niveau. Avoir une fleur de feu qui tue personne. C'est bizarre parce que les plantes devraient être sensibles au feu, alors voilà, donc on va pas pourquoi elles crèvent pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui est plus sensible au feu? C'est un être vivant, enfin un animal ou une plante? C'est assez sordide comme question, mais du coup je me pose la question. Oh, il va y avoir un bloc. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose en haut? Oui, il y a une clé. Waouh. C'était une clé. Donc en fait, la sortie d'une, enfin, la sortie secrète est tout au début du niveau. Merci. Hop là. Ah oui, c'est d'air pratiquement tout ce monde. Donc tout le monde est donc c'est dit dans le niveau que tout le monde n'est pas mort. Ok. Et ma liste de niveaux me dit de faire ce niveau-là, donc Château de Sable de Doom, fait par Xalnop. Si ça va pas, je vais m'arrêter au midpoint. La dernière fois que j'ai dit ça, il n'y avait pas eu midpoint, et waouh. Apparemment, ce gars a regardé Hats More Than One, pas pour regarder mes jouets. Donc, comme il y a une espèce de jeu là, donc du coup, il peut l'avoir regardé aussi, mais... Et donc, on voit les fameux décors assez jolis, assez... compliqué et que ça va rien. Mon champignon va arriver. Champignon express, toujours à votre service. C'est stupide mais ça va passer. Et donc est-ce que ce soit possible? À mon avis il faut aller plus à droite pour pouvoir aller avoir plus d'élan. Waouh, plus ça vient moins il y a de trucs. Il a l'air de fatiguer un peu. Donc, je suppose que ce switch gris va servir à quelque chose. Certainement pas récupérer assis. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je ne sais pas, je vais regarder. Un tuyau. J'ai peut-être commencé par la sortie secrète par accident. Alors, je suis toujours sous la règle de la 400e démo, donc du coup, je vais absolument rien couper. Puisque je veux que vous voyez tout de... Oh, il y a une clé au-dessus. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse de la clé. Je vois que la clé va passer à travers ces blocs. Et normalement, étant donné que la clé est un objet, donc du coup, elle devrait rester tout au long. Alors, est-ce qu'il veut que j'attende la clé? Oh, la musique devient un peu n'importe quoi, j'ai l'impression, là. La musique de Zelda, les airs des Girodo. Oh, la clé arrive. Fallait juste attendre un peu. Alors pourquoi elle fait ça, je ne sais pas. Du coup, j'ai un peu l'impression que mon switch gris ne sert à rien. C'est peut-être à passer plus facilement la partie avec les fleurs de lotus, mais je n'en ai pas eu besoin. Je ne me suis pas fait toucher. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce switch. Bon, la stratégie qu'utilise à chaque fois, je rappelle, c'est activer à chaque fois le switch.
Mon avis, c'est la technique. Mince. Uboa, qu'est-ce que tu fais là? Mince. Champignon surprise. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire ici, parce qu'apparemment, faut juste attendre la clé. Alors, peut-être qu'il fallait juste être lent, mais... Je me rappelle qu'il y avait dans Majora's Mask un truc avec un tapis roulant, il fallait l'attendre. Un truc comme ça, c'était pour la quête de café. Mais... Voilà, j'ai gaspillé mon bouclier pour rien. Ah voilà, qu'il arrive, donc c'est bon. Je sais pas pourquoi la musique sonne faux. J'irai pas vraiment à mettre mon doigt dessus. Donc ah oui, donc là fallait vraiment utiliser le switch en fait, mais c'est pas grave. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un des instruments qui se l'a mal mis. C'était juste moi. Donc voilà, donc il va falloir sauter par dessus. Comme tu... Je crois que s'il n'avait pas eu un switcherie dans les mains, je suppose que j'aurais pu récupérer la clé. De toute façon, j'étais mort après ma dernière tuerelle. Alors, oh, il y a eu Boa. Il m'a fait peur. Juste pour l'instant, s'il y avait un truc à droite. Le niveau continuait, mais il y avait juste un power-up. Et peut-être une vie. Et voilà. Et au cas où, je reviendrai jamais à cet endroit-là. Comme ça on saura. Et il y a un champignon juste ici, c'est gentil. Donc, c'est ainsi, il donne deux power-up juste après une clé. Ça veut dire que le chemin de la serrure, oh la vache, est très long. Très compliqué, la preuve. Puisqu'il y a déjà de perdre mon power-up. Les trucs, les carapaces, ça va être marrant à éviter, mais pas quand on découvre. Parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte. Il est en train de me faire agresser. Et tant que le fait que c'est sable lattes et solide, j'avais un peu de mal à sauter. Déjà mis beau. Et ça se trouve, j'ai raté la serrure de manière totalement ridicule. Alors c'est pour ça, j'essaie de sauter un peu en courant pour augmenter un peu. Pas monter un peu la caméra, mais voilà. Et sauter comme ça parce que je ne change pas de direction, merci. Voilà, donc si je suis comme ça, il ne voit pas de serrure, donc elle est pas là. J'ai vu des plantes piranhas à côté d'une plante, donc je suppose que le switch secret va être utile ici. Ou aura été utile ici. Et je refais le niveau, enfin que je regarde. Voilà. Je crois que c'est peut-être juste pour ces pièces en fait, alors. Donc après, je dis juste pour ces pièces, mais si ça se trouve juste après les pièces, il y a la sortie. Je me rappelle d'un truc et à la fin il y avait une forme de clé. Et je vais mettre ma clé comme un con. C'était dans SMT où la sortie qui menait une clé, il y avait des pièces à forme de clé pour indiquer que la sortie était là. Et ce soir elle a été très difficile. Donc en fait les plantes piranhas ça ne sert pas à grand chose hein, parce que de toute façon, à mon avis, si on se faisait toucher par la plante piranha, on serait tombé. Mais aussi, il y avait pas de truc à cet endroit-là. Et wow, sorti, merci. Donc j'ai raté quelque chose, mais je ne sais pas où. Pas de piranha surprise. Bon, bah, sortie secrète. Alors, où pourrait être la serrure? Bah d'abord, je vais faire un peu de science et de voir où mène, enfin, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il y a les switches gris et pas explorer la suite du bas du niveau. Je vais peut-être revenir en arrière. Donc, le switch gris il était là. Voilà. C'est beaucoup plus facile comme ça d'ailleurs. Quelle surprise. Donc, ici, il y a des trucs. Oh là là. Oh, je m'attendais à ce que ça tue les masses, c'est transparent. Enfin, je peux passer à travers, donc du coup,
Je m'attendais à avoir un plafond, j'avais étudié mon saut de manière à pouvoir... Oh. C'est moi ou c'est l'endroit tout à l'heure, ça? Ouais, c'est l'endroit tout à l'heure. Donc, je vais mettre le plus en bas possible. Et voilà, ça a marché à peu près. Donc, je ne sais pas où peut être la sortie secrète. Où peut être la serrure? Donc, je vais regarder ce qu'il y a à cet endroit-là. Où il y a un autre écosystème, encore une fois. Avec une jolie musique de Yoshi's Island. Et je suppose que va y avoir la serrure tout au bout du niveau. Alors la question que je me poserai dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il faudrait revenir avec la clé pour... Enfin, quand on a la clé, revenir en arrière, récupérer le switch gris pour ensuite pouvoir rentrer là et... Parce que c'est vraiment bizarre. D'abord voir ces ennemis gris, en sachant qu'ils étaient plutôt bleus de l'original, ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi des ennemis, enfin des animaux gris, ça fait bizarre je trouve. Ça fait pas comme si c'était vraiment naturel. Bon, en tout cas, pour des mammifères. Pour la séance, est-ce qu'il y a un tuyau gris? Enfin, ça va être quelque part. Oui, ça va être quelque part. Vous avez vu tout à l'heure ou quoi ça? Alors qu'est-ce qu'il y avait encore à droite? Ah, c'était juste pour une vie. Ok. Donc, cet endroit-là, ça ne dit rien. Ah, c'est ce qu'il y a après la sortie. Ok. Donc, en fait, si on passe par là, donc du coup, après, on peut rejoindre la sortie normale. Pas con. Le frein, c'est que j'ai pas besoin de la sortie normale. Oh. Dites à personne, mais je crois que ces hiéroglyphes contiennent un message caché datant d'un temps ancien. Mais je ne sais pas quoi. Alors est-ce que ce... D'abord je vais prendre la carapace par rapport à Europe. Ce sera plus simple. Et donc je vais sauter sur Poki pour essayer de gagner quelques étoiles pour fun. 40, pas mal. Bon bah lui c'est où la sortie secrète maintenant. Alors ici, il me semble qu'il y avait un power-up à droite, non? Parce que du coup, je vais avoir peur de passer par là. Est-ce que tu peux disponer? Il devrait passer comme ça, voilà. Et voilà. Bon, bah j'avais prévu de faire les... un niveau de la warp zone. Oh! Spoiler! Ah! Non, je pensais que ça aurait disponé à mon avis les boules de feu, mais non. Oh, j'ai failli arrêter mon saut. Failli éteindre mon clé. J'attends que ce cesseur maudit. Pour passer, prends tout le temps. Je t'attends. Bon, j'active tous les suites, je vais essayer d'éviter de me faire toucher par quelque chose. Sinon je risque de perdre la clé. Mais si c'est le cas, même si c'est... Voilà, je fais le con. Bon.
Wow. Je vois pas comment j'ai fait pour gagner mon coup en Europe. Je te reste en vie, mais j'ai réussi, tant mieux. Il me semble qu'il y avait du sol en haut, enfin, bah, je veux dire. En fait, j'ai pas grand chose à dire, du coup, étant donné que c'est des passages que je viens juste de voir il y a l'instant. Voilà, la vie. Allez! Je crois que tu as un drôle de bug là avec la vie qui a flotté un peu plus qu'elle ne l'aurait dû. Et donc, si c'est un power-up ici, je vais le laisser, voilà. Et c'est tous les power-up étant donné que j'en ai déjà deux, donc j'ai pas besoin de plus. Je vais faire un truc qui est très con. C'est je vais laisser la clé ici, comme ça je vais pouvoir la récupérer tranquillement tout à l'heure. Parce que là, je vais avoir besoin de transporter la. Je suis tueux gris pendant un bon petit moment. J'ai plus Wilson. Mince. C'est pas grave, j'ai passé par ce côté-là. Du sol ici, du coup, parce qu'il y a. Voilà. Il faut aussi de tous les indices qu'on peut. En fait, il y a certains niveaux qui sont quand même bien construits, donc du coup, si on se casse la gueule, c'est juste parce qu'on a voulu faire le con. Parce qu'il y a toujours un moyen. Long, certes, mais un moyen sûr où on peut récupérer, retrouver la terre ferme. Voilà, donc c'est qu'un power-up après. Donc je m'embête pas à leur en chercher un à droite. Ici, il n'y a plus rien, la voie est libre. Passe. Le power-up ici, donc. Il y en a un autre ici, voilà. Je lui avais dit qu'il y avait double dose de pouvoir. Quoi. Voilà, donc double grave. Évitez de me faire toucher, parce que sinon je risque. En fait, faut pas me faire toucher quand je suis en place haut. Parce que tant que je. J'ai toujours la clé, hein, parce que je la vois pas du coup. Je vais me taper niquer pour rien là. Tant des trucs dangereux, je suis fou. Et donc voilà, donc là. Le truc c'est qu'après ça va être plus difficile de viser les ennemis, mais c'est pas grave. Parce que j'ai deux boutons pour tirer des boules de feu. C'est une très bonne idée de la part de Nintendo d'avoir mis deux touches pour... Wow. Ces ennemis-là sautent vraiment moins au côté son rond. Hein. C'est logique, mais quand même. Donc une bonne idée de la part de Nintendo de mettre deux boutons pour tirer des boules de feu. Bon après ils avaient... Quatre boutons sur une manette super Nintendo, alors fallait bien qu'ils s'en servent, mais c'est... Bien vu quand même. Bon après j'essaie mais c'est une nuit qu'ils avaient trois boutons mais comme ils faisaient que sauter en appuyant sur le bouton donc du coup alors ici il me semble qu'il y avait un power-up à droite non parce que du coup j'avais peur de passer par là est-ce que tu peux disponer? Il devrait passer comme ça voilà et voilà.